Bonjour Stéphane. Bonjour. C'est quoi ton rôle ici? Moi, je marque les résultats des quand les chiens arrivent à la ligne. OK. Puis est-ce que tu fais ça comme ça à chaque année ou bien? Non, c'est la première année. L'année passée, je travaillais à Glissade pour les jeunes, là. À Glissade, c'est mon père qui s'occupe de ça, fait que je travaillais pour lui. Cette année, ben, je joue au soccer avec Guy, fait que il m'a appelé, puis j'ai décidé de travailler pour lui. Fait que là, c'est Guy qui t'a amené ici? Oui, c'est Guy. Bon, ben, est-ce que tu vas continuer à faire ça chaque année? Oui, j'aime ça, c'est le fun. J'aime ça, ben on est bien contents, puis on te remercie beaucoup. Merci. Bonjour Guy. Bonjour. C'est vous l'organisateur de tout ça, cette course de chiens-là? C'est moi, depuis 3 ans. Depuis 3 ans. Puis c'est quoi qui vous a amené à faire ça? On m'a demandé de le faire, tout simplement. Puis vous avez dit oui? Réputation dans l'élevage. Puis... Ah, vous avez des chiens? Certaines. Oui, j'ai des chiens, mais pas plus. Est-ce que vous allez faire ça encore pour une couple d'années? Si ça continue à cadrer avec les activités du carnaval, du festival, oui, j'aimerais ça. C'est quand même pas mal d'organisation. Ça demande beaucoup de bénévoles sur place même. Pour traverser la foule ici, là, c'est. Mais une fois que ça c'est fait, ça va tout seul. Puis comment est-ce que vous trouvez vos bénévoles? Ah, super! On les trouve. Ah, je dis les trouve. Dans le 200, hein? Je vais voir les cadets, je vais voir. Il y a beaucoup de bouche à oreille. Et puis, on a réussi à se ramasser une trentaine de personnes comme ça, c'est facilement. Puis vous les trouvez? Super! Bon, merci beaucoup! C'est moi qui te remercie. Bonjour Linda. Bonjour. Toi, tu fais du bénévolat ici? Oui. Depuis combien de temps? Depuis vendredi soir. Oh mon doudou, donc c'est ta première année? Oui. Est-ce que tu penses faire ça encore une couple d'années comme ça? Sûrement l'an prochain et dans 2 ans. OK. Qui t'a amené à faire ça? C'est les étudiants en technique policière, la 3e année. Ils ont un CIMEAC à faire, puis il faut s'impliquer. Puis, on m'a dit que vous couchiez à quelque part ici? Oui, on couche à l'école primaire Chanterelle. Puis, avez-vous du bien du fun là? Ah oui. Bon, on est bien contents, puis merci beaucoup. Merci. Bonjour, Réjean. Bonjour, Viviane. On m'a dit que vous vous occupiez de la sécurité ici? Oui, au complet d'un village, 150 bénévoles environ. C'est beaucoup. Puis où vous avez cherché ça, ces bénévoles-là? Technique policière depuis 3 ans. Cette année, ils sont 76. Puis la balance, c'est des bénévoles qui restent dans les alentours d'ici. Puis ça fait combien de temps que vous vous occupez de ça? Ça fait 6 ans. 6 ans, depuis le début? Oui. Puis vous continuez à vouloir faire ça, j'imagine, à chaque année? Ah là, c'est merveilleux. On est embarqué là-dedans, on peut plus lâcher. Là, on est rendu trop bon. Bon, je vous remercie beaucoup. Ça fait plaisir. Bonjour. Bonjour Fernand. Bonjour. Est-ce que ça fait longtemps que tu es bénévole ici au kiosque d'information? Ça fait 5 ans. 5 ans. Est-ce que tu planifies de faire ça encore une couple d'années? Oui. Puis, c'est quoi ton rôle ici? Qu'est-ce que tu fais? On fait plein de choses. On vend des souvenirs. On informe les gens sur les activités qui vont se passer durant la fin de semaine. On les dirige vers les différents sites où il y a des activités. C'est très, très agréable. Puis toi, t'es chanceuse, t'es au chaud, là. Oui, on est bien traité. Bon, merci beaucoup. Ça m'a fait plaisir. Bonjour, Daniel. Bonjour. Toi, qu'est-ce que tu fais ici au Festival de la motoneige? Genre, moi, j'étais préposé là, pour les rails de taxidou là, à travers la ville. Oui. Puis, on m'a dit que ces fonds-là, ça irait. Ah, ça, c'est censé, ça, pour aller pour le festival. Ça. Donc, c'est pour défrayer une partie des coûts. Comme par exemple, le snow, on a une location à faire tant que ces machines-là sont pour les entretenir. Là, fait que, donc, c'est à même les visas qu'une personne peut faire des tours de ville, des tours aller comme au musée, toutes les places attitrées pour ça. Là. Et puis, disons que pour le taxi doux, que c'est qui arrive, tu vas prendre, je ne sais pas, un exemple, pour les repas, ainsi de suite, là, une personne. Sont accessibles pour les motoneigistes puis le public en général. Puis, est-ce que ça coûte bien cher? Ah, disons, c'est 2 $. C'est 2 $ de la rail. Ah, c'est pas si cher que ça. Est-ce que ça fait longtemps que tu fais ça ici au Festival de motoneige? Ah, c'est ma première année, moi, comme chauffeur de taxi d'eau. Puis est-ce que t'aimes ça? Ah oui, disons que oui. C'est une belle expérience parce qu'on a des gens qui viennent d'un peu partout, en fin de compte. C'est mondial. Bon. Est-ce que tu veux faire ça pour une couple d'années encore? Ah oui, oui, oui. Ah oui, bon. Définitivement. Ben, je te remercie beaucoup. Je te remercie. Bonjour!
C'est ça pour la sécurité. Puis ton rôle en tant que tel, plus professionnellement? Moi, j'empêche le monde de passer quand les marines tournent ça. OK. Est-ce que ça fait longtemps que tu fais ça? On a commencé hier. Est-ce que c'est la première année? Oui. Est-ce que tu vas vouloir faire ça encore pour une couple d'années encore? Oui. Est-ce que tu aimes ça? Oui. Même s'il fait froid? Oui, madame. Bon, je suis bien contente. Merci beaucoup. Merci. Bonjour, Claude. Bonjour. Est-ce que tu pourrais me dire c'est quoi ton rôle ici? Ben là, moi, là, je fais signer tous ceux qui passent ici qui ont l'étiquette. OK? Oui. Ceux qui n'ont pas sont obligés de payer. Oui. C'est ça, c'est pas plus dur que ça. Fait quand tu fais partie de la sécurité? Eh oui. Est-ce que ça fait longtemps que tu travailles ici pour le festival de motoneige? Ben, première année. Première année. Est-ce que t'aimes ça? Si on est noir. Ah, c'est oui. Qu'est-ce que t'aimes le mieux? Tout en faisant ma job, je peux participer à la course. Ah, mon Dieu. Le profiteur? Je suis un profiteur. Oui. Aujourd'hui, oui. OK. Est-ce que tu vas vouloir faire ça encore pour une couple d'années? Ben, pourquoi pas? Le numéro 30. C'est bien gentil. Merci. Pour le prix que ça me coûte, moi, là. Le 65 de Bruce Vessel. Merci beaucoup. Bienvenue. Ici au Grand Prix. J'ai ici auprès de moi M. Yvon Picotte, le ministre des Loisirs, Chasse et Pêche. Puis là, je vais lui demander qu'est-ce que vous pensez de toute cette organisation-là, là, de bénévoles et tout ça. Ah, écoutez, moi, je suis particulièrement heureux de cet autre festival international de motoneige. D'autant plus qu'il y a plusieurs personnes de l'extérieur qui viennent chez nous. Mais il ne serait pas possible d'organiser un tel festival si, effectivement, on ne pouvait pas compter sur des centaines de bénévoles. Et ça, on retrouve ça un peu partout au Québec, au niveau du loisir, au niveau de peu importe l'organisation. Je pense que des gouvernements, des compagnies comme Bombardier, etc., peuvent assister les gens, mais ils ne peuvent pas prendre la place d'eux. Et s'il n'y avait pas de bénévoles par dizaines, par centaines, comme c'est le cas ici, c'est impossible de recevoir bien nos gens, d'avoir cet accueil chaleureux et de faire en sorte que tout baigne dans l'huile, tourne rondement. Alors, chapeau bas devant les bénévoles, les nombreux bénévoles, et on dit, c'est parce que vous êtes là que ça fonctionne, sinon ça ne fonctionnerait pas. Bien, je vous remercie beaucoup, M. le ministre. Bienvenue. Bonjour. Claire, en tant que directeur des loisirs ici à Valcourt, est-ce que tu pourrais nous parler des bénévoles en tant que tel et un peu de tout ce qui se passe? Oui, je suis un petit peu placé pour parler de bénévolat parce que tu viens de mentionner les loisirs. Il y en a 300 bénévoles au service des loisirs. Il y en a à peu près 300 ou 400 aussi au festival. Des bénévoles qui mènent certainement une bonne vie parce qu'au début de la semaine, avec la pluie et la température qu'on a connue, tout le monde était découragé. On se demandait ce qui allait arriver en termes d'activité. Et puis, finalement, la température a changé au refroidissement, à la neige. Et aujourd'hui, pour l'apothéose, cette grande finale du Grand Prix, nous avons une température absolument formidable. Est-ce que tu pourrais nous parler du Grand Prix aussi? Justement, on peut parler du Grand Prix. Vous voyez, vous avez une idée de la foule derrière moi, de l'atmosphère qui peut régner. Je peux vous dire que nous sommes tout à fait satisfaits de ce qui se passe. Les courses se déroulent à un rythme endiablé. Nous rentrons dans l'horaire, comme on dit techniquement. Tout est à point, tout se déroule comme prévu. Et ça, c'est toujours grâce aux bénévoles qui font un travail fantastique. Bon, monsieur, merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie.